Ben, l'histoire de TED a commencé en 1984 et en Californie, il s'agissait de dépoussiérer les conférences. Alors, ils ont inventé TED et c'est un cycle de conférences américain donc, et 10 minutes maximum pour convaincre, format très court et basé sur l'émotion, et c'était les idées pour changer le monde. Et en 2009, voyant que ça marchait très très bien, le format s'est exporté dans le monde entier et il est arrivé à Bordeaux en 2011 avec la première édition qui avait pour thème Ensemble. Et ensuite se sont succédé tout un tas de thèmes sur le rêve, sur le territoire, sur les identités Sur Ensemble aussi. Oui, tout à fait. Et on arrive en 2014 avec la précédente édition qui avait pour thème la résilience, le rebond. Alors tout ça a été fait grâce à des licenciés. Alors on peut citer par exemple Tony Chappelle, Alexis Monville, François-Xavier Bodin, Isabelle Monville, toi, moi. Et puis on passe le relais. Et on passe le relais à Marc et Marc Langlois et Olivier Danco. Donc après, pourquoi on fait tout ça? Pourquoi faire TED à Bordeaux? On se rend compte en fait que on a cité les licenciés, mais c'est de plus en plus une équipe qu'on retrouve chaque année de bénévoles avec des associations qui supportent aussi le format, notamment à Quinum, et différents métiers, différents professionnels. Puis on est tous motivés par la même chose en fait. On y trouve tous évidemment notre intérêt, mais c'est vraiment le désir de faire avancer les choses, de découvrir de nouvelles idées, de les diffuser, de les partager. D'ailleurs, ça c'est particulier dans un format, dans une conférence TEDx ou TED. Les spectateurs, en fait, on les appelle participants. Et participants parce qu'en fait, ils sont acteurs. Alors, ils découvrent des idées. Puis on en fait sienne et puis après on les propage dans notre entourage, dans notre vie. Voilà. Et c'est quand même assez moteur.